ballon pour les Périgourdins. Ils savent pas 3 points. Non, le panier primé, ça va faire du bien. À 45 degrés pour ça. On peut faire. Face au sol pour Gibson, le bras roulé de Gibson. Et derrière, voilà, la claquette de Gibson qui va mettre 2 points avec un petit peu de chance. Ballon volé par Maxime Gianveni devant Yanis Morin, il met 2 points. Voilà un 4-0 du grand match. Le ballon pour Williams, ouais, 2 points de Jarvis Williams, bien servi par Kiki Stam dans la zone restrictive. Le shoot ouvert pour Aurélien Salmon qui le prend. Oh, c'est dedans, Aurélien au tas des 6-75 et marqué un temps d'arrêt, il fait du bien. Le ballon de Gaëtan Clerc à Fadisterbe, il va, oh, il va mettre le shoot à 3 points, shoot extérieur à 2 points. De la fin, chute à l'eau pour Gibson de Nord-et-Loire. Et oui, la passe décisive de chute à l'eau qui lève les points au ciel. Thomas Gibson qui met 2 points. Ça permet à Boulazac de passer devant. Ballon pour Alexis, non, au corner pour Aurélien Salmon à 3 points. Dedans, le panier primé d'Aurélien Salmon. Ballon récupéré par Sutalo, ils ont perdu la balle, Gibson, ah, le dunk de Gibson, 2 points de plus sur ce ballon, récupéré par un Sutalo qui se révèle sur ce coup-là. Un ballon pour dessous pour Maxime Gianveni qui va mettre 2 points, bien servi. C'est fait, Boulazac est qualifié pour les demi-finales des playoffs. 70-59. La fin de match a été tendue entre deux hommes, mais les Havrais ont craqué psychologiquement, physiquement. Boulazac a su faire mal quand il le fallait.